Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 29 septembre 2023, 15h40, heure du Québec. Merci aux abonnés, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très, très apprécié. On voit, on vit une époque complètement, complètement surréaliste. L'Occident sombre et de plus en plus dans le totalitarisme, dans la censure dans la dictature, à tous les points de vue. La classe dirigeante, les médias qui font partie de la classe dirigeante, qui appartiennent à la classe dirigeante, nous imposent un point de vue, une idéologie. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les politiciens sont pareils. Ils sont tous contrôlés par les mêmes banques, par les mêmes créanciers, par le même culte qui nous gouverne. C'est pour ça qu'il n'y a aucune différence puis que c'est toujours, comme la vieille expression le dit, bonnet blanc, blanc bonnet. Et que l'agenda, il avance toujours et toujours et toujours. Tu as vu, à vous, au Québec, tout le monde s'est arraché les cheveux de la tête à la première victoire de la CAQ, toute la petite gauche, go On dit, mon Dieu, un gouvernement de droite, un gouvernement de droite, tu n'as pas plus globaliste, mondialiste, communiste, totalitaire Pro-urgence climatique, pro toute la folie qu'on nous fait subir, que François Legault et la CAQ. OK? C'est de l'insanité totale. En France, c'est encore un autre bordel. En Allemagne, c'est un autre bordel. Aux États-Unis, avec Biden, c'est catastrophique. Mais ces gens-là continuent toujours dans la même direction. Parce que ça les avantage. Ça leur donne plus de pouvoir, ça écrase la classe moyenne, ça écrase le droit de parole, la liberté d'expression. Et c'est ça que ces gens-là veulent. Que tout le monde ferme sa gueule, tous ceux qui ont des arguments, tous ceux qui ont des connaissances scientifiques, médicales, tu ne les as pas entendu et tu ne les entendras jamais. Puis quant à nous autres, les grandes gueules, bien, des fois ça passe, des fois ça ne passe pas, mais on n'a pas vraiment... De toute façon, d'autorité ou de pouvoir. Donc, on n'est pas vraiment dangereux. Mais des gens comme Russell Brand, hein, tout le monde connaît Russell Brand, l'ancien acteur qui s'est lancé dans des podcasts, qui, a eu, qui était au début très gauchiste, a changé d'un peu de vision. Quand tu commences à voir ce qui se passe vraiment, tu n'es plus gauchiste. OK? Et a commencé à exposer dans une entrevue qu'il a eue avec Bill Mayer, Mayer, Mayer. Mayer sur son émission, sur PBS, exposé, le complexe militaro-industriel exposer exposé, le complexe pharmaceutique, le complexe médical, tout ce que tu peux imaginer. Puis le monde applaudissait, là, puis il y, a des, il y avait des dizaines et des dizaines de millions d'abonnés, lui. Ben, lui, il est dangereux parce que lui, il a du pouvoir. Puis il y a un grand public qui est tenté d'ouvrir les yeux à un grand public. Ben, les médias britanniques, ça, c'est les plus pourris. Les médias britanniques, là, c'est. Ici, c'est pourri, mais là-bas, c'est comme vraiment waouh! On commençait à rapporter des pseudo-histoires de femmes il y a longtemps qui auraient été abusées. On ne sait même pas, il n'y a même pas d'accusation devant les tribunaux, devant les postes de police. Il n'y a rien, rien, rien. C'est juste des allégations comme les journalistes corrompus de l'Angleterre sont capables de le faire. OK? Avec tout dans l'anonymat. Et ils ont demandé, ils ont mis pression sur YouTube et toutes les autres plateformes pour le démonétiser. Ce qu'ils ont fait. Il y a juste Rumble qui a dit non, il est pas il est accusé de rien, là. Tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. On veut l'empêcher de gagner sa vie sur des allégations. Parce que pourquoi ça sort maintenant Supposément, c'est des vieilles accusations du temps où Russell Brand, il l'avait avoué, consommait de la drogue, de l'alcool, c'était un, tout un joli moineau. Moi, je ne le connais pas vraiment, mais j'ai n'ai jamais l'écouté récemment parce qu'il y il avait beaucoup de rationalité, il avait une tête de ses épaules là, quand il a lâché trop sa. Sont ces éléments gauchistoïdes. Pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi? Parce qu'on veut. Ben, ils, voulaient, ils veulent le censurer, ils veulent le fermer parce qu'il est trop gros. Il est trop gros, puis il réveille trop de monde. Là maintenant, il y a eu quelques bonnes nouvelles. Il leur demande ce que tu l'aimes ou pas. Il a acheté Twitter. Là maintenant, c'est X, whatever. Moi, je m'en fous, je ne suis même pas là-dessus, vraiment, là. Mais les gens sont contents, ils commencent, depuis, depuis qu'il a acheté, à recommencer à pouvoir s'exprimer. Les gens, rappelle-toi des Twitter files où le gouvernement américain demandait à Facebook, Twitter, YouTube de censurer tous les médecins, censurer tous les scientifiques, censurer tous les podcasts de tous ceux qui sont contre l'idéologie que ces gens-là véhiculent, qui sont juste des idéologies basées sur zéro, basées sur de la fiction, puis du vent et des. Manipulation de données. Tout est sorti. On le savait, nous autres, mais il y a bien de monde qui ne savait pas. Il y a bien de monde qui n'en ont même pas eu entendu parler. Puis il y a bien de monde qui, dans le fond, sont contre faute C'est comme ça que tu sombres dans la tyrannie. Là maintenant, depuis qu'il a acheté ça, les autres plateformes se sentent un peu mal à l'aise. On le sait que l'élection de 2020 a été volée du début à la fin. D'abord avec les vols, les, les votes partout. Par la Poste, où il n'y a eu aucun contrôle, d'abord aussi par tous les médias qui étaient contre Donald Trump, comment ça peut être possible ça? Voyons donc. Et par la censure des réseaux sociaux sur des histoires comme celle de Hunter Biden. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important, mais on a caché cette histoire-là, puis on savait que c'était vrai. On a amené 50 anciens supposés euh, membres de, des services de renseignement qui ont dit non, 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 ça a tout l'air d'être de. La désinformation russe ça a tout là, ça a toutes les marques de ça. C'était complètement bidon. L'histoire était vraie, vraie, plus que vraie. Puis on a tout censuré ça juste avant l'élection. Et une majorité d'Américains ont dit, si on avait su que cette histoire-là était vraie, on n'aurait pas voté pour Biden. Donc, maintenant, à cause d'Elon Musk, maintenant les entreprises technologiques annulent les restrictions contre la désinformation avant les élections de 2024. Parce qu'il faut que tu.. Définissent la désinformation. C'est quoi la désinformation C'est quelque chose qui vient te contredire Non, n'est pas de la désinformation. Si c'est des échanges d'opinions. OK De la désinformation, c'est eux qui l'ont faite en censurant l'histoire de Hunter Biden en disant que c'était une histoire de manipulation puis de mensonges qui venaient de la Russie. Ça, c'est de la désinformation. Et ça devrait être corrigé. Mais ça ne devrait pas être banni. Même si tu voulais cacher ça, tu aurais pu continuer à le cacher sur tes plateformes et les autres plateformes auraient pu autoriser les autres à les publier. Moi, je suis pour aucune, aucune annulation de quelque sorte que ce soit. Parce que les gens sont assez intelligents pour faire la part des choses. Mais là, les autres, la désinformation, c'est quand tu viens les contredire dans leur idéologie. Pas de la désinformation, c'est des échanges d'opinion. Mais là, on va assouplir ça parce qu'ils ont eu tout un backlash. OK? Pour ce qu'ils ont fait. Puis avec les Twitter fans. À l'approche d'une saison électorale mondiale qui devrait être embourbée dans la désinformation et les mensonges. C'est deux autres. Ça, c'est euh, Yahoo News qui nous rapporte ça. C'est deux autres, les menteurs. L'AFP, les pires. Les grandes plateformes technologiques basées aux États-Unis reviennent sur les politiques destinées à les freiner, attisant l'alarme, attisant l'alarme de qui De ces médiologues et de la classe dirigeante qui nous ment continuellement. Qu'il s'agisse de YouTube, qui abandonne une politique clé en matière de désinformation. Quelle désinformation C'est qui qui donne la désinformation ici Puis YouTube, je les salue ben, pour avoir corrigé le tir. Puis Facebook, puis toutes les autres. OK? Puis là, tu as ces médias-là qui, qui, qui disent que ça va devenir le Far West de l'Internet. Non. On n'est pas stupide. On sait qu'est-ce qu'on en fait et on sait aussi faire la part des choses. Mais ça, ça vient les faire suivre. Mais c'est très important qu'on ait un retour à la liberté d'expression. Tu as, de, as le droit de dire n'importe quelle stupidité, là. Comme tu as le droit de penser qu'en étant juif, tu es le peuple de Dieu, mais. C'est juste euh, vraiment basé sur une hypothèse là, hein Y a quelqu'un qui s'offusque de ça, sous de la fake news ça hein? De la désinformation C'est admis partout. Command man », comme dirait Joe Biden, à peu près la seule chose sensée qu'il est capable de dire. command man ». il y une chance encore une fois qu'on a les États-Unis pour essayer peut-être de ramener un peu d'ordre dans la tyrannie qui est en train de s'installer. Je voulais partager ça parce que c'est important comme nouvelle. Les entreprises technologiques annulent. Les restrictions contre la informations avant les élections de 2024. Puis il y avoir beaucoup d'élections un peu partout, sauf en Ukraine. Zelensky, lui, annule les élections pour défendre la démocratie. Amen. Yeah,